Cette émission vous est présentée par la Caisse Centrale de Garantie. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Univers TPM. On commence ce numéro par l'actualité et un point d'étape récent sur les financements accordés aux entreprises via les produits Relance TPE et Daman Relance, avant de revenir sur le discours historique prononcé par le roi Mohammed VI à l'occasion de la fête du trône et qui donne le tempo pour ce que devra être le plan de relance marocain. Depuis leur mise en place par la Caisse Centrale de Garantie, les mécanismes Relance TPE et Daman Relance ont profité à pas moins de 15 183 entreprises pour un total de 22,4 milliards de dirhams de crédit ayant bénéficié de ces garanties exceptionnelles. Soit un total global d'engagement s'élevant à 19,7 milliards de dirhams et ce jusqu'au 7 septembre. Lancé le 15 juin 2020, l'objectif de ces deux mécanismes est de permettre aux très petites entreprises, petites et moyennes entreprises et grandes entreprises de financer le retour progressif à une activité normale. Produit Relance TPE, destiné à garantir les prêts des TPE, réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions de dirhams, a bénéficié à pas moins de 10 756 entreprises, totalisant 2,4 milliards de dirhams de crédit consentis pour un volume d'engagement de 2,3 milliards de dirhams. Pour sa part, le produit Daman Relance, déployé en faveur des petites, moyennes et grandes entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 10 millions de dirhams, a profité à 4 427 entreprises. Ce mécanisme a ainsi couvert le volume de crédit de près de 20 milliards de dirhams pour des engagements de 17,4 milliards de dirhams. En termes de répartition du volume des crédits, garantis selon les secteurs d'activité, le mécanisme relance en principalement profité au secteur de l'industrie, 33%, suivi du secteur de commerce et de distribution, 31%, et du BTP, 17%. Milliards de dirhams, ce chiffre a été prononcé par le roi Mohammed VI à l'occasion du discours royal de la fête du trône. 120 milliards de dirhams, c'est le budget nécessaire pour accompagner la relance de l'économie nationale et dont on essaiera aujourd'hui de vous expliquer la répartition et le mécanisme. في الاقتصاد الوطني أي ما يعادل 11% من الناتج الداخلي الخام. Ce chiffre annoncé par le roi Mohammed VI à l'occasion du dernier discours du trône a suscité beaucoup de réactions dans le milieu des affaires. En cause, la manière dont l'exécutif allait s'y prendre pour financer ce plan ambitieux qui inscrit, selon les propos du souverain, le Maroc parmi les pays les plus audacieux en matière de politique de relance post-crise. Sans surprise, le Maroc va s'appuyer sur l'expérience réussie des crédits garantis, qui ont pu maintenir à flot des dizaines de milliers d'entreprises pendant le confinement. Ainsi, une partie de l'enveloppe annoncée, soit 75 milliards de dirhams, seront injectés via des crédits garantis par l'État. Les banques devront les distribuer au profit des entreprises publiques et privées, petites et grandes. La CCG sera chargée de gérer ce système de garantie parallèlement à sa réforme institutionnelle. Outre ce mécanisme, 45 milliards de dirhams seront affectés au fonds d'investissement stratégique annoncé par le roi. 15 milliards de dirhams seront financés par l'État et 30 milliards de dirhams mobilisés auprès d'institutionnels locaux et étrangers dans le cadre de partenariats publics-privés sur des projets d'infrastructures notamment. Le fonds pourra également contribuer aux fonds propres d'entreprises pour assurer leur développement. Les 120 milliards de dirhams de budget de relance ne sont pas la seule grande annonce du discours du trône. Un discours historique puisqu'il institutionnalise au plus haut niveau de l'État l'idée d'une réforme profonde de la protection sociale à achever dans 5 ans. Ce dossier nécessite une grande mobilisation et surtout la finalisation d'un cadre réglementaire dédié. Le déploiement de cette réforme se fera de manière progressive sur une période de 5 ans. Cela démarrera par le déploiement de l'AMO
et des allocations familiales avant de s'attaquer à la généralisation de la retraite et l'indemnisation pour perte d'emploi à horizon 2025. La suppression du RAMED pour la généralisation de l'AMO sera une première étape de la réforme. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour ce numéro d'Univers TPME. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver un mardi sur deux à partir de 9h15 sur fnh.ma. À très bientôt. Cette émission vous a été présentée par la Caisse Centrale de Garantie.